Mesdames et messieurs, Global Innovation and Enterprise, c'est la 8e édition qui a été créée par notre ami et fondateur de l'IE Club, Maurice Kawam, et nous sommes très fiers de vous retrouver en cette occasion. Je ne sais pas pour vous, mais moi, à chaque fois que j'ai une nouvelle rencontre en réel, ça a 10 fois plus de valeur qu'avant. Profitons-en, hein, véritablement. Et nous savons tous que le fait de venir sur place permet beaucoup plus d'interactions et de possibilités de contact avec les autres participants que quand c'est online. Donc profitons-en. L'après-midi va se répartir globalement en 4 parties. D'abord, un certain nombre d'interventions avec surtout les pitchs de start-upers. Ensuite, une pause. Ensuite, deuxième tour d'intervention. Puis, un networking cocktail à la fin de l'après-midi. Donc, je vous conseille tous d'en profiter au maximum pour écouter l'ensemble des intervenants. Et vous pourrez, puisque vous êtes dans la salle aujourd'hui, est-ce que l'or s'est diffusé aussi online? Donc, vous êtes des privilégiés. Profitez-en tous avec l'ensemble des possibilités de contact qui vous sera utile. Si toutefois, vous notez le nom de quelqu'un qui s'exprime et que vous voulez parler avec lui, demandez-moi et je vous mettrai en relation avec cette personne. D'accord? Je vous propose maintenant d'accueillir la co-animatrice de cet après-midi, Madame Sarah... Sarah Lasfar. Merci. Ma chère Sarah, tu as rejoint le comité exécutif de l'IE Club il y a quelques années. C'est intéressant pour l'ensemble de l'assistance de savoir pourquoi tu as rejoint l'IE Club et que tu es active formidablement actuellement. Bah écoute, merci pour ta question. Tu sais, ça fait à peu près maintenant 3 ans que j'ai lancé ma start-up, It's Easy. Bravo. Et au-delà de l'incubation, on est dans un incubateur à Station F, on est accompagné aussi par un programme d'accélération de la ville de Paris. Mais au-delà de ça, en fait, faire partie d'un club comme ça, où il y a un réseau de dirigeants, pour une start-up, c'est vital. Parce que pour tout dirigeant, le réseau n'a pas de prix. Et c'est ce qui va créer des opportunités, c'est ce qui va faire qu'on va pouvoir ramener justement sa start-up et son équipe à un niveau supérieur. Et écoute, je te repose la même question. Bravo! Nous savons que ce n'est pas évident pour un dirigeant de start-up de s'investir autant dans un club d'affaires, et je te félicite d'en avoir perçu la valeur. Puisque tu me retournes la question, pour ma part, j'ai eu la chance de fréquenter l'IE Club au début du siècle. L'IE Club a été créé par Robert Cadoxet, Maurice Kawam et quelques autres. Dominique Agrège, tu étais aussi à la création? Presque. Je t'en suis reconnaissant, Dominique. Au début du siècle, en l'an 2000, et ce que j'adore dans l'IE Club, c'est de contribuer à la croissance de l'écosystème de l'innovation. Ce qui est formidable ici, c'est que dans la vision de Robert, Maurice, Dominique, puis Bernard Horry, etc., eh bien, il y a eu cette idée considérable, à mon avis, de créer un club qui réunit justement les start-upers, les investisseurs, les grandes sociétés, les institutions, comme notre ami Éric Morand qui représente Business France et qui nous fait l'honneur de nous recevoir aujourd'hui. Et donc ainsi, c'est un carrefour formidable où on peut véritablement développer son réseau et être plus efficace avec des réseaux qui sont exclusifs dans un métier. Ici, c'est multimétier, et pour tous les start-upers qui vont s'exprimer cet après-midi, s'il vous plaît, ayez ça en tête quand vous vous exprimez, avec toutes les dimensions de votre business personnel, hein, qui consiste à avoir des clients, il y en a peut-être dans la salle, qui consiste à avoir des investisseurs, il y en a peut-être dans la salle, et des partenaires, etc. Et là, c'est vraiment intéressant d'en profiter au maximum, et vous avez bien fait de venir pour cela. Merci donc, Sarah. Pour cette introduction, veux-tu dire quelque chose avant qu'on appelle Maurice ? Écoute,
start-up, je rejoins ce que tu étais en train de dire, justement, à toutes les start-up qui vont être là aujourd'hui. N'hésitez pas, pendant les sessions de pause, de cocktail, etc., à pas venir parler à tout le monde, aux membres du club, aux gens qui sont ici là présents, parce que vous savez pas, vous êtes peut-être à une personne près qui vous offrira une opportunité pour continuer qui va changer votre vie. Ouais. Super. On appelle maintenant notre grand ami, Maurice Kawam, qui est le concepteur des Global Innovation and Enterprise et qui va nous faire son keynote speech. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci André, membre fondateur. Merci Sarah, membre de l'exécutif. Merci à vous tous d'être présents. C'est vrai que c'est extrêmement agréable. On ne l'entend pas bien, donc peut-être prendre le micro. Peut-être là, c'est mieux. Ah oui. Ok, merci. Donc bonjour à tous. Merci d'être présent pour notre 8e édition. Merci André Dan, membre fondateur de l'IE Club. Sarah Lasfar, membre du comité exécutif. Merci à vous tous pour toute l'énergie que vous mettez dans notre club. Alors cet après-midi est une après-midi particulière puisque pour la 8e fois, nous allons mettre en avant les sociétés qui ont les gènes de devenir global. Alors, quelques mots de l'IE Club avant de parler du Global Innovation. Alors, l'IE Club est un club qui a l'âge du millénaire, puisque nous avons commencé en 2000. C'est un club dont l'objet est l'accompagnement des startups, des sociétés innovantes qui se développent, qui se lancent dans le développement. Et notre rôle est de les accompagner avec un réseau, les accompagner avec des idées et être présent pour faire en sorte que la possibilité pour ces sociétés soit décuplée en vue de leur réussite. Donc, nous sommes très fiers des sociétés qui ont été membres de l'IE Club et qui se sont introduites en bourse, sont devenues internationales, ont fait un développement extrêmement important. Donc ce sont les gènes de l'IE Club que d'accompagner les entreprises. Alors quand on dit nous accompagnons, alors nous ce sont les grands groupes pour certains. Bernard Horry qui a été président de l'IE Club pendant 8 ans en sa qualité de dirigeant de la Poste a beaucoup œuvré dans ce sens et d'autres. Laurent Garré de ABN AMRO, dans le même, je dirais qu'il est un peu dans la même configuration. Donc les grands groupes sont parties prenantes. Les acteurs de l'investissement et du conseil, tout simplement, parce que quand on est investisseur, on met de l'argent, et quand on est conseil, on met du temps et je dirais de l'énergie pour aider les sociétés à se développer. Et puis c'est enfin le public, parapublic. Je remercie Business France et Eric Morand en premier rang donc pour la bienveillance qu'il porte envers l'IE Club. Nous avons plusieurs initiatives ensemble, dont le Global Innovation and Enterprise, et ce sont des initiatives qui sont très importantes pour nous. Donc nous te remercions, Eric, pour tout ce que nous faisons ensemble. Et enfin, dans ce système-là, les dirigeants, ils sont au cœur de notre initiative, et les dirigeants des sociétés innovantes sont la raison d'être de l'IE Club. Alors, l'IE Club étant présenté, quelques mots peut-être sur le Global Innovation. Donc, c'est une idée qui nous est venue il y a quelques années où on s'est dit, nous sommes dans un monde où certes l'innovation est importante, l'entrepreneuriat est important, mais il n'est jamais trop tôt pour se lancer à l'international. Et je crois que ce n'est pas Eric Morand de Business France qui me contredira, puisque comme vous le savez, Business France est au cœur de cette action. Donc l'idée était de dire quels sont les paramètres, quels sont les vecteurs de croissance et comment est-ce qu'une société va avoir plus de gènes pour se développer à l'international par rapport à une autre. Nous avons développé donc, je dirais, les paramètres qui nous semblaient les plus pertinents. Nous les avons travaillés au sein donc d'une ABAC de notation, et dans quelques minutes, vous allez écouter des sociétés qui vont se présenter, 60. Alors c'est un peu beaucoup, vous allez me dire, c'est une après-midi, mais nous avons pensé que leur donner la chance, la possibilité de se présenter était toujours le meilleur moyen pour vous de les connaître et pour elles de se faire connaître.
Et donc, vous allez écouter une soixantaine de sociétés dans trois environnements. L'environnement tech, qui est un environnement que je ne présente plus, mais c'est l'IoT, c'est le hardware, c'est le software, ce sont tous les enablers qui permettent à des sociétés aujourd'hui de se développer. Puis, ce sont les services du web, donc tous les métiers du web qui se retrouvent sur la toile. Donc, c'est IMO tech, c'est l'e-commerce, c'est les médias, c'est les médiathèques, ce sont tous les métiers qui se sont réinventés sur le web. Et enfin, les clean tech, un secteur qui était un tout petit peu timide il y a quelques années, qui, avec toute l'énergie qui a été mise, est aujourd'hui est un environnement en plein développement. Et donc, ce sont les trois environnements qui vont se présenter à vous. Donc, un peu plus de 200 sociétés qui ont présenté une lettre de candidature, et puis après un filtrage, une soixantaine de sociétés. Et je vous demande, avant de les écouter, de les applaudir. Yes ! Bravo ! Parce que c'est beaucoup de travail pour nous tous, pour le jury que nous présenterons un peu plus tard. Et nous allons présenter, évidemment, après les avoir écoutés, les lauréats, qui sont au nombre de 7. Et nous reviendrons sur la typologie des lauréats un peu plus tard. Enfin, il ne me reste plus qu'à remercier encore une fois nos partenaires. Je les remercie. Vous les voyez là, Oracle, Neuflys, Bouygues. Je remercie Business France et puis la Chambre de commerce, NTF Énergie, Smart Global, Neum, Villa, Cap Digital, qui nous accompagnent sur cet événement et sur d'autres. Merci et à vous, Sarah et André. Merci, je vous rends le micro. Merci, Maurice. Thank you so much. Super. Mesdames et messieurs, je vous demande de recevoir avec nous notre ami Éric Morand, qui a une mission extraordinaire pour la France et qui l'assume de façon gigantesque. À toi, Éric. Il exagère toujours un petit peu, bien entendu. Il sait mettre les gens à l'aise. Bonjour à tous. Plus sérieusement, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans nos locaux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas accueilli grand monde, à vrai dire. Et enfin, comme tu l'as dit, André, le fait de pouvoir se voir en vrai, ça vaut évidemment tous les Teams du monde. On est très content de les Teams, vous avez compris l'outil Teams. On est très content de vous avoir aujourd'hui. On est d'autant plus heureux que, comme Maurice l'a dit, on a eu la chance de travailler avec toi dès la première édition à concevoir cet événement. Bah, 8 ans après, il est toujours là, il est bien ancré dans l'écosystème. Et je pense que la vitalité de la French Tech, s'il fallait le démontrer, va l'être encore cet après-midi avec les pitchs des 60 startups qu'on va écouter tout l'après-midi. En tout cas, voilà, nous, on est très heureux. Le moment de networking après voilà, est essentiel, se rencontrer, créer des partenariats. Il n'y a rien de vrai que, évidemment, le présentiel. Alors, Business France, qui on est ? D'ailleurs, bon, moi, donc, au sein de Business France, pardon, donc, je dirige le département Tech et Services Innovants. C'est une des filières sectorielles de la partie export de Business France. Parce que Business France est en fait une agence publique qui a le rôle d'essayer, en tout cas, de travailler à internationaliser l'économie française. Concrètement, ça veut dire aider nos PME, nos TPE et bien sûr nos start-up à se développer à l'international. Et c'est aussi attirer des investisseurs étrangers en France. Donc, lorsque une belle scale-up américaine doit se développer en Europe, c'est finalement lui dérouler le tapis rouge, la convaincre de venir plutôt en France qu'en Angleterre ou en Allemagne. Et les deux métiers sont évidemment, bien entendu, complémentaires. Pour faire cela, c'est vrai qu'on a toute une équipe qui est à votre service. C'est près de 1300 personnes, un peu plus, qui sont et en France et pour leur majorité à l'étranger, dans un peu moins de 60 pays aujourd'hui, avec des équipes qui sont spécialisées par grande verticale. Business France est aussi membre fondateur de la French Tech, puisqu'on a essentiellement aujourd'hui sur un événement innovation et start-up, donc depuis 2014-2015. On a eu la chance depuis cette époque d'accompagner un peu moins de 2000 start-up à l'international, ce qui est à peu près 10% des 20 000 start-up qu'on estime en France aujourd'hui.
Et c'est vrai qu'on a sur les 27 aujourd'hui licornes, on en a accompagné au moins la moitié de différentes façons. Comment on accompagne, vous allez me dire, les startups concrètement, donc les PME et les startups, mais là particulièrement les startups. Alors ça se fait notamment via la création et la mise en place de Pavillon France sur les grandes conférences, les grands salons de la tech. C'est vrai que depuis le début de l'année, on a la chance d'avoir eu finalement, après deux ans de très compliqués, tous les événements prévus qui ont pu avoir lieu, malgré Omicron en janvier. Le CES, pour ne pas le nommer, a pu avoir lieu avec 150 entreprises françaises. Bravo. Moins de fréquentation que d'habitude, mais la France était présente, fidèle au poste. Je crois que c'est essentiel. On a montré à nos amis américains et finalement au monde entier que malgré la crise, nous sommes présents. Et ça démontre aussi, certains se posaient la question, est-ce que les salons ont un avenir finalement après la crise, vu qu'on a tout digitalisé. Bien oui, les salons ont un avenir. Le succès de VivaTech aussi la semaine dernière, je crois aussi, ouais, le montre bien, parce qu'il n'y a aujourd'hui pas d'outil digital qui permet la sérendipité des rencontres dans des couloirs, sur des stands. On accompagne aussi les startups dans le cadre de programmes d'accélération qu'on a monté, qu'on a adapté au pays, ce qu'on appelle dans notre jargon des French Tech Tours, dans différentes géographies. On a également un programme qui s'appelle Impact, qui s'adresse plus aux PME matures et aux scale-up. Et le petit dernier, un programme aux États-Unis qui s'appelle SaaS Lender, qui permet d'aider les entreprises qui sont en mode SaaS finalement à se développer, à comprendre comment finalement le marché américain fonctionne et à adapter le rythme et la méthode américaine pour justement réussir non seulement aux États-Unis, mais également dans le reste du monde. Et le troisième pilier, qui est assez nouveau, mais qui se développe vraiment maintenant de manière plus assumée chez nous, c'est justement des événements en France. L'export commence en France. Les startups n'ont pas forcément besoin d'aller au bout du monde. On l'a vu pendant deux ans, faute de mieux, on a tout fait en distanciel. Et on a aussi, malgré la reprise du présentiel, c'est bien d'aller sur les marchés, créer la confiance à l'étranger, mais on a la chance d'avoir des beaux salons chez VivaTech, mais il y en a plein d'autres en France à dimension internationale. Donc il faut les utiliser pour commencer à rencontrer des partenaires, des prospects, et on va beaucoup plus le faire réaliser à notre niveau. Deuxième point que je voulais aborder, c'est pourquoi ce partenariat, mais tu as déjà dit beaucoup de choses, enfin, c'est assez évident, parce que pour nous, évidemment, innovation et international sont très liés. En tout cas, pour réussir à l'international, il faut être innovant, il faut être différenciant, et en France, ce n'est pas par les bas salaires qu'on est différenciant, évidemment, c'est plutôt par l'innovation. Et c'est vrai que ces deux piliers, on le voit dans les startups qu'on accompagne et qui réussissent, elles vont toutes les deux de manière structurelle internationale, et elles sont toutes les deux, évidemment, très innovantes. Évidemment, l'international et le fait d'être global, c'est dans l'ADN des startups, on dit souvent les global natives aussi. Au-delà de ça, si on regarde quelques chiffres, 70% des startups sont internationales, ont une activité internationale dès leur première année, versus 30% pour une PME traditionnelle. Vous voyez, il y a quand même un gap qui prouve cela et que c'est très rapide. Et puis, quand on regarde les chiffres de 2020, je regardais une étude issue de nos amis d'EY. Voilà, près de 40% du chiffre d'affaires global des startups, et c'était avant la crise et avant l'accélération digitale, était réalisé déjà à l'international. Je pense que ce taux a clairement largement augmenté depuis deux ans. Business France intervient là aussi vraiment en tant qu'amplificateur de cet accompagnement à l'international sur tous les marchés où nous sommes présents, ou là où nous ne sommes pas présents, nous avons d'ailleurs des partenaires. On le fait parce qu'évidemment, on le voit aussi de plus en plus, l'activité des startups contribue à créer de la richesse en France, contribue à créer de l'emploi en France. On n'est pas forcément sur de l'export de produits physiques dans la plupart des temps, on le verra dans les 60 startups qui pitcheront, on est souvent finalement dans l'export de services, ou en tout cas, comme je dis, dans le SaaS, donc beaucoup dans du digital, on exporte assez rarement des containers de logiciels. Pour autant, ça participe à l'accroissement de la richesse de notre pays. En ce sens, c'est une priorité vraiment de l'agence Business France d'aider et d'accompagner les startups dans leur développement. Ça se fait au travers des programmes, les quelques-uns que j'ai pu citer tout à l'heure. Ça se fait également dans le cadre de la mise en place depuis trois ans maintenant de ce qu'on appelle la Team France Export. La Team France Export, c'est quoi? C'est un petit peu tous les acteurs autour de l'international qui se sont mis ensemble, les chambres de commerce, tu les cités, qui sont aussi partenaires de cet événement. C'est BPI France, c'est l'INPI pour tout ce qui est propriété industrielle. C'est évidemment les régions qui sont essentielles. Et l'export, s'il est global, il commence d'abord localement. Une entreprise, elle doit être forte localement avant de s'exporter. Et nous, dans le cadre de la Team France Export, donc collectivement, on a mis en place un système avec des référents, des conseillers internationaux ou des conseillers chargés d'affaires internationaux
qui sont environ 250 un peu partout en France. Et leur rôle, c'est d'avoir des portefeuilles d'entreprises. Donc, quand on repère des startups prometteuses qui peuvent aller à l'international selon ce qu'on en voit, on les confie, on les met dans le portefeuille d'un de ses référents qui ensuite va jouer ce rôle finalement de conseiller, qui va aider les startups à se poser les bonnes questions et notamment les trois questions essentielles de comment je fais pour partir à l'international, par où je commence, par comment prioriser mes marchés, bien entendu, et puis finalement avec quels moyens. Et avec quels moyens, il y a des moyens du privé, des moyens du public, on a la chance d'avoir un pays qui aide beaucoup ses entrepreneurs et ses startups notamment aussi à l'international. Donc tout cela, ses collègues sont là pour vous guider, évidemment, sur ces différents aspects, et vous guider aussi sur les bons marchés, les bons événements pour vous permettre d'accélérer à l'international. On travaille aussi sur une problématique forte qui est celle des talents. Vous le savez que la guerre des talents, c'est aujourd'hui un peu tarte à la crème que ce terme, mais c'est une réalité pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous aussi. On perd beaucoup de gens, on a du turnover et on doit recruter assez fréquemment, n'est-ce pas? Cette guerre des talents, on y répond de deux façons. Nos collègues d'Invest travaillent sur le sujet d'attirer des talents étrangers, parce que pour qu'un écosystème soit riche, il doit être riche aussi de talents et de diversité internationale. C'est notamment un desk qui s'appelle Welcome to la French Tech, qui permet pour les startups, pour les scale-up françaises, d'accélérer le fait de recruter et de faire venir en France des talents étrangers. Non seulement ces talents-là, mais aussi leurs familles, parce que pour s'installer en France, on vient généralement en famille. Et puis un produit que vous connaissez sans doute, une superbe solution RH qui s'appelle le Volontariat International Entreprise, le VIE. Le VIE qui est géré donc par Business France. Il y en avait 10 500 avant la crise. On est passé à 6 500 avec la crise. Beaucoup de jeunes ont dû être rapatriés, sont rentrés en France. Ça repart bien parce qu'on atteint pas, on se rapproche des 9 000. La plupart des pays sont réouverts, en dehors de quelques pays d'Asie bien connus. Mais en tout cas, voilà, c'est une formule assez géniale pour tous les entrepreneurs. Ce n'est pas que pour les grands groupes, c'est aussi pour les startups, c'est pour ça que j'en parle, d'avoir un jeune qui va partir vous aider sur le marché espagnol, sur le marché anglais, sur le marché allemand, justement, soit à faire du marketing, à faire du commercial, à faire du SAV. En tout cas, c'est une formule qui marche très bien, sur laquelle nous, on mise beaucoup. Et beaucoup de ces jeunes sont évidemment ensuite recrutés et constituent en bonne partie l'ossature finalement des cadres qu'on a à l'export, qui travaillent dans toutes les PME, dans les grands groupes aujourd'hui. Voilà, dernier point en conclusion, moi, s'il y a un message à vous faire passer, c'est voilà, lancez-vous à l'international, il ne faut pas attendre, il ne faut plus attendre, évidemment, pour ceux qui ont attendu pendant la crise, j'espère pas trop nombreux. Il faut y aller maintenant, les choses reprennent, évidemment, on n'est pas à l'abri d'un énième vague, mais on fait beaucoup de choses en distanciel, beaucoup de pays sont réouverts et on a beaucoup d'opérations qui se déroulent en présentiel. On a aussi encore un plan de relance, vous savez, qui a été prolongé dans le cadre du plan de résilience du gouvernement, mais qui touche aussi l'export, qui permet aux entreprises jusqu'au mois d'avril prochain, finalement, de bénéficier d'aides sonnantes et trébuchantes, comme le chèque relance export, qui est une aide très concrète. Combien ? Ça dépend. Pour un salon, ça monte jusqu'à 2 500 euros pour participer à un stand sur un pavillon. Et pour des missions plus B2B, dites d'affaires, c'est 1 500 euros. Et voilà, c'est très simple à obtenir, tout se fait en ligne. Ça devait s'arrêter il y a quelques mois, avec le plan de résilience, c'est prolongé encore pour quelques mois. Donc profitez-en aussi, bien entendu. Et puis rendez-vous à un autre événement qu'on fait ensemble, sur lequel on est partenaire, c'est les RIFT, les rencontres internationales de la French Tech, qui se dérouleront le 9 novembre prochain, normalement dans ce même cénacle. Voilà, merci beaucoup à tous et je remercie mon équipe. Merci Eric. J'ai été beaucoup remercié, mais ce n'est pas vraiment moi beaucoup, c'est comme souvent. Tu as raison. Ceux qui sont derrière moi qui ont bossé, donc je remercie beaucoup pour ce qu'ils ont fait, notamment participer au jury d'aujourd'hui. Oui, merci. Heureusement qu'ils sont là, avec Eric. Merci beaucoup Eric. Business France est essentiel et nous sommes contents de contribuer d'une certaine façon à cette Team France pour que nos entreprises réussissent à l'international. Alors, au cours de l'après-midi, il va y avoir beaucoup de startups qui vont pitcher et une notamment va gagner le prix du public. Donc, à l'intérieur du programme, vous allez retrouver un QR code. Page 2. Et tout à fait, vous allez pouvoir justement voir les différentes startups pitcher et le coup de cœur que vous aurez leur permettra peut-être de gagner le prix du public. Alors, n'hésitez pas non plus à partager à vos proches, à vos équipes pour encourager les startups.